La ferme familiale, c'est vraiment à dimension plus petite, plus, on disait, échelle humaine. Quand les propriétaires sont plus près des opérations, ça paraît au final du produit. La filière porcine au Québec, ça représente 24 000 emplois. On parle de retombées économiques de 2 milliards. Pour être un bon éleveur de porc en 2014, il faut avoir la passion des animaux, il faut être leader. Quand je vais dans la ferme et que je vois les animaux qui sont ronds, qui sont en santé, ça joue ensemble, sont vigoureux, ça, pour moi, c'est une réussite. Puis c'est un signe que je fais une belle viande de qualité puis c'est une fierté que j'ai. Chaque année, il y a des valideurs qui passent sur chaque ferme. C'est des vétérinaires, des fois, c'est des agronomes. Puis ils viennent vérifier si on respecte les normes au niveau bien-être animal puis qualité de production, l'assurance qualité. Pour toutes ces raisons-là, c'est important que les consommateurs exigent le porc du Québec. Je m'appelle Caroline Belzile et je suis éleveur de porc du Québec.